19ème étape, 188 bornes aujourd'hui. 188 bornes aujourd'hui. Et on va les faire. Salut les petits culs, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle étape. L'étape numéro 19 de ce Tour de France 2022 sur le jeu Tour de France 2022 avec les Quick Step. Et je le porte fièrement. Un peu comme Julien. Je le porte fièrement. Oui, comme Julien. Oui, comme Julien. Je le porte fièrement. Le maillot à poids et il est sur nos épaules. Oui, pour ceux qui ont raté le dernier épisode, je pense que voilà, je vous ai légèrement spoil puisque en effet voilà, Julien Lafilippe portera le maillot à poids sur l'arrivée du Tour de France puisqu'on a actuellement il faut que je clique sur le bordel. On a donc 25 points d'avance, 15 points d'avance sur Cartier, mais il n'y a plus que 3 points à décerner. Donc c'est fait, le maillot à poids est sur nos épaules. Maintenant on va essayer de partir avec Evenepoel, peut-être aller chercher quelque chose, rattraper les points avec Godu. En tout cas, on le porte bien fièrement ce maillot. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ta. Tu sais que ça me régale ça. Hein, l'arrivée à Cahors, bien sûr. Ah, c'est une étape de sprinter. Normalement, c'est très plat. Y a trois petites bosselettes. Voilà, les bosselettes. Castelnau Manioac. J'arrive pas à prononcer. De toute façon, je suis dans une forme d'excitation hein, terrible. Est-ce qu'on joue un peu avec Julien avec le maillot? Non, on le fera sur les champs, non? On le fera sur les champs, je pense. C'est lequel, celui qui a le plus de gouache, là, au niveau du sprint? Je pense que c'est Remco. Je pense que c'est Remco qui a le plus de gouache. Ouais, bah attends, Julien, il est en forme. Et si Julien allait pas nous chercher une étape? Et si Julien allait nous chercher une étape? Je pense que c'est impossible. Non, mais attends, il faut que Remco parte. En fait, il faut que Remco parte, mais là, il a des stats catastrophiques, hein. Remco en sprint, bon, contre la montre, bien évidemment, il est chaud. En accès 71, en sprint 59. Julien, il est beaucoup plus chaud. Hein. On va essayer de sortir avec Remco. Je sais pas s'il laisse sortir le 7ème. Après, en vrai, il n'y a aucun risque. Hein. Oh là là, on est devant avec le maillot, let's go. Étape normalement assez pépère. On va voir s'il laisse sortir le bon. Alors, on sort kilomètre 0. Ça part. Ça part, on agresse, directement kilomètre 0, hop, et voilà, et on se met comme as, et on se met comme as, 14 secondes, 15 secondes, ça me laisse partir, hein? Ça me laisse partir ou pas? Ah, ça me laisse pas partir, hein? Quand tu vois que ça bloque à 15 secondes, ça me laisse pas vraiment partir, j'ai l'impression. En vrai, t'as Remco Evenepoel qui part tout seul, je te dis pas, 186 bornes. Je te dis pas, genre, gros danger, quoi. Ça part pas au chasse-patate, là, à un moment donné. Ça sent pas bon, quand même. Pas vous mentir que ça sent pas bon, là. Le départ est pas soutenu, quoi, hein, du côté... n'est pas hyper soutenu sur notre échappée, là. Hein. N'est pas vraiment hyper soutenu sur notre échappée, hein. Dommage. En fait, ça tient un peu, mais... Ça prend un peu, mais pas plus, quoi. Y'a personne qui veut venir m'aider, quoi. Y'a moyen que ça prenne, hein. Qu'on relance pour montrer qu'on a envie. L'envie d'avoir envie. Faut vous mentir, c'est un peu le bordel. Hein. On tente des choses, mais... 19 secondes, hein, quand même. 20 secondes. Ah, franchement, vas-y, mec. Attendre le groupe suivant. Ah ouais, carrément. Puis ton effort. Ah ouais, non, mais là il se crame. Hein. Ah ouais, non, attendez. Doucement, les mecs. 20 secondes, ça sert à rien. Est-ce qu'on sortirait pas un collègue? Oh, mais si c'est ça, on va sortir... On peut sortir... qui est-ce qu'on sort, là? Qui est-ce qu'on sort? Parce qu'on sort un collègue, hein, si c'est ça. Hein. Moi, si c'est que ça, on sort un collègue. Hein. Cavani n'est pas dans une bonne journée. Sénèche. Yo. Sénèche n'est pas dans une bonne journée non plus. Sénéchal, il peut y aller. Allez, va le rejoindre. Salut les cons. Là, vous voulez pas aider le collègue. Attends, parce que Evenepoel, en fait, il s'arrache. Voilà. Là, on est ensemble.
Roulez fort, allez, on roule fort. S'échappe ou pas 7 secondes, 8 secondes, ouais, il nous laisse absolument pas partir. 10 secondes, 11 secondes, alors peut-être. 15 secondes, alors peut-être. Ah, Sénéchal qui nous emmène. 20 secondes, 23, ça y est, ça nous laisse partir. Sénéchal qui va mourir par contre. Relayez-vous, hein. C'est chaud. À 34 secondes, mais... Ah, je sais pas, je vais mettre un effort, c'est où? C'est là. Effort 60, effort 60. Voilà, relayez-vous. Ça se relaye un peu, 20 secondes. Ah ouais, par contre, ça revient, mais si fort. Je crois que c'est mort, en fait. On essaie de partir, mais vraiment, le panache, c'est pour les autres, quoi. secondes. En fait, t'es obligé de rouler très très fort, sinon il te laisse jamais sortir, quoi. Je suis à deux doigts d'aller foutre Asgreen devant, quoi. Allez. Allez. Oh, mais s'il faut, on ramène tout le monde, hein. S'il faut. S'il faut ramener tout le monde, on ramène tout le monde, je vous le dis, hein. Il arrive. Il arrive. Difficilement mais sûrement. Attendez-le, attendez-le. Ok, et là on y va ensemble. Est-ce que ça peut le faire? On est à 3 devant. Devant, ça peut tenir. Hein. On est à 3 quand même, 3 collègues là. C'est énorme ce qu'on propose là. 23 secondes d'avance, c'est que chi par contre. Hein. On va essayer 80. Non. Pff. Que ça tient, 26 secondes, 27. Sénéchal, il est en train de décéder. Allez, économisez-vous, économisez-vous. Attends, Sénéchal, toi, tu relayes pas pour le moment. Non, Asgreen, 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 tu suis, putain. Oh là là. Allez, les gars, faut tenir. 30 secondes d'avance sur le peloton. J'ai deux doigts de ramener ramener Cavagna. Hein. 30 secondes. Prends un peu de temps, quoi. Franchement, trois équipiers, normalement, ça peut... Ils peuvent faire un boulot monstre. Hein. 30 secondes d'avance, c'est vrai que c'est pas monstrueux, quoi. Le problème, c'est qu'ils récupèrent pas trop, ils fatiguent un peu. 80, ils sont assez tendus, quoi. Voilà, 70. 70, c'est pas trop mal et on est en train de vivre. Non, 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 70, ils reprennent fort. 70, ils reprennent fort sur nous. Ouais, 20 secondes, bah, c'est terminé. Ouais. Ils ont pas eu envie du tout de rigoler, en fait. Ils ont terminé nos espoirs, mais alors vraiment... D'accord, à l'arrivée du... Bah, super. Super. Bon, bah... On a essayé. On aura essayé. Très déçu. Très déçu de cette attitude. Bon, bah on aura essayé un petit peu de dynamité. On va essayer de repartir avec Evenepoel, genre, sur la dernière bosse. Hein. Ah, je suis abattu. Hein. Je vous le dis, je suis déçu, je suis déçu. On va prendre Sénéchal, il protège Alaph. On protège Evenepoel. Nous, on prend Evenepoel. Remco. Ah, je suis un peu abattu. Hein. Je vous le dis... C'est beaucoup de tristesse et on voulait vivre quelque chose de grand et puis bah finalement
Il y a des mecs qui arrivent à partir. Oh non, c'est juste il sprint. Voilà, petit sprint inter, on s'en balèque. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Ah, c'est les mecs, ils aiment pas le... Ils vont laisser partir Hiver et Bisseguer. Mais vas-y, mais fermez-la. Fermez-la. Parce que le problème, c'est qu'en classement de... Non, ça va, 427. Non, ça va, ça va. Parce qu'on était pas mal au classement aussi de super combatif. On avait 777 bornes, plus l'étape d'Otakam. Moi, je pense qu'en vrai, on va être pas mal. Hein. On va être pas mal. Là, hop, Côte de Lozère, c'est sucé. Et maintenant, il y a peut-être un dernier coup à mettre. Et tu vas être à combien de bornes? Tu vas être à 50 bornes, quoi. En fait, tu vas être à 50 bornes. Là, t'es à 40 bornes, tu peux pas partir. Tu peux pas partir sur cette étape ici, c'est mort, en fait. Là, si tu pars, t'auras rien. Ah, ça va finir au sprint, on va pas se mentir. Ça va finir au sprint. Ou alors, je trouve un endroit où partir, mais... Peut-être essayer de partir à 10-15 bornes, là. On a 20 bornes. Une échappée à 20 bornes, ça peut suffire. Si on envoie Julien... Dire à Julien d'attaquer. À Cavagna d'attaquer, voir si ça sort. Sort un peu, Juju qui est sorti. Julien qui est sorti. Cavagna qui est sorti. 9 secondes d'avance. Ah, c'est rattrapé tout de suite. C'est rattrapé tout de suite, on a essayé de leur mettre des petits coups, on va faire sortir Asgreen. Asgreen qui sort. Sénèche qui sort. On tente des coups. On a 10 bornes. Hein. C'est sorti ou pas? Ah, c'est sorti. 12 secondes d'avance. Ils vont les rattraper et au moment où ils la rattrapent, avec Evenepoel, on contre-attaque. On a 6 bornes, hein, je vous le dis. On va se passer. Au moment où il la rattrape, nous on contre-attaque. Allez, pousse-moi encore, Bonifacio. Pousse-moi encore. T'as beau avoir un prénom corse, hein. Je vais te la mettre à l'envers, bordel. Poussez-moi encore contre les barrières, là. Pousse-moi encore contre les barrières, là. Contre toi, là. Ah, tiens, devant. Hein. T'as mis un petit tempo, là. Ils sont obligés de se rapprocher là. Allez, un virage. Putain, merde. Deux virages. Allez, il y a le petit groupe là. Allez, faut que ça roule, les mecs. Faut que ça roule, putain. Roulez fort. Putain, mais prenez tous vos gels. Putain. Oh putain, ça servait à rien. On est à combien? 1,6 km. Ouais, c'est terminado. C'est terminado. On a plus rien. On a plus rien. On a plus rien. Ah, je suis abattu, putain, on a tellement tout tenté. Bon, les gars, juste... Putain, terrible étape. Terrible étape de ce Tour de France. Franchement, on a tenté, je suis désolé. L'étape, elle est insupportable. On a tout tenté. Franchement, on a tout tenté sur cette étape. Franchement, vous noterez le panache. Vous noterez le panache. La stratégie, peut-être pas, mais le panache, au moins. On a essayé de partir. On a ramené tout le monde devant. On a essayé de dynamiter l'étape. Tout le temps. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien. Il va monter super. Sur le podium. On regarde, ça fait toujours plaisir. Bon, si on doit reprendre 2 minutes, c'est peut-être sur le dernier contre-la-montre. Si on peut essayer d'espérer, est-ce qu'on a perdu encore plus de temps? Non, c'est bon, on arrive dans le même temps que tout le monde. Donc on est toujours au général 7ème. Bon, 2 minutes 40, je ne vois pas reprendre 2 minutes 40 sur Godu sur un... Quoique, elle est un peu longue, hein. Elle est un peu longue la 20ème étape.
Alors peut-être on verra ça demain pour la prochaine étape. Et puis après c'est les Champs-Élysées. En tout cas ce Tour de France est quoi qu'il réussit. Là on essaie de dynamiter mais c'est trop dur. C'est trop dur, soit on n'a pas les coureurs, soit on n'a pas le pic de forme, soit on n'a pas le talent tout simplement. Mais en tout cas on s'amuse bien, donc rendez-vous demain pour le contre-la-montre. On va tenter de récupérer un maximum, au moins gratter au Connor. Au moins gratter au Connor. Allez viens on va gratter au Connor. Allez, à demain, ciao. Pouce bleu, tu connais. Ah, ça serait sympa, quoi, un petit pouce dans le cul comme ça. Cordialement.